Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 40e épisode de mon let's play sur le jeu XCOM Enemy Within. 40e quand même, c'est pas rien. Commandant, nos satellites sont parés au lancement. Alors, satellite. Prêt à les déployer à votre signal. Satellite, où est-ce que je peux l'envoyer? Ingénieur. Lancer au Nigeria, même s'il n'y a pas d'intercepteur à porter, c'est ça le truc. Voilà. Alors, fin de l'autopsie déterrée. Bouclier psychique. Ok, et dispositif déterré. L'étude de ce nouveau dispositif extraterrestre n'est pas sans risque. J'en suis bien consciente, mais l'ennemi ne nous laisse pas le choix. Il faudrait que j'améliore le... les persos. Ok. Ok. Ouais. Ah, je me tape parce que quand même pouvoir monter sur les trucs en hauteur. Ça c'est pas mal ça. Alors là par contre je croise les doigts pour que j'ai rien. On reçoit plusieurs appels de détresse. Des enlèvements se produisent actuellement aux emplacements marqués sur l'hologlobe. Bon bah on y va avec ça, hein. J'ai juste pas mon sniper, ce qui m'embête vachement. Du coup. C'est Ruiz là que j'ai pas d'habitude. Parce qu'on a dormeur. Mais c'est pas toi en fait qui a. Ah oui, attendez, je crois que je me suis complètement planté depuis le début. Ouais, ouais, si, en fait, je prenais pas le bon sapeur, c'est toi que je dois prendre en sapeur. Alors, attendez, on va équiper correctement. Donc toi... tu vas me rendre le medikit contre une grenade frag, ça va bien. Toi, tu vas récupérer ton medikit. Voilà. Toi, tu vas récupérer une arme plasmique lourde de la mort qui tue. Il faudrait que j'équipe ces deux-là en plasmique, sachant que lui, il va falloir que je le vire. Étant donné que c'est pas le bon. Je comprends pourquoi mon sapeur il soignait plus du tout. C'est juste parce que c'était pas le bon. Cette fois, c'est en Russie qu'on nous envoie. L'activité extraterrestre continue d'augmenter dans plusieurs villes de grand. Alors, la Russie. Ah mais j'ai déjà fait celle-là, non? Strike One attend la permission d'intervenir. Bien reçu, Rapace. Strike One, restez sur vos gardes et éliminez toute cible extraterrestre. Voilà ce qu'on cherchait. Ça commence bien. Ça commence bien. Il y en a un là-bas aussi. Sauf que je vois plus personne. Ah, il y a deux Goliath d'élite là-bas. Je suis en chemin. T'es sérieux, il est en anti-réflexe? Raté. Du coup, je le vois plus. Ah, hein. Je bouge. Allez, avec la jolie arme plasmique lourde. Yes. Je suis parti. Ouais, 39, c'est rien, mais bon.
J'ai dit c'est rien, mais au final il le tue quand même. Donc deux coups pour tuer un mectoïde, maintenant ça commence à être sympathique. J'ai 40 épisodes, c'est vraiment mon let's play le plus long que j'ai jamais fait. Oula, qu'est-ce que tu fais? C'est une queue. Oh oh, tir de couverture. Alien? Ou ça un alien? Oula, la caméra qui s'est carrément envolée. Attendez, il y en a 4-5. Encore un berserker et un Goliath, ok. Mais ils sont où les autres? Ah d'accord. Ok, j'ai rien dit. Quelqu'un a une roquette? On voit clairement, c'est toi que je vais défoncer en priorité. Alors il va se rapprocher, du coup je vais pouvoir lui faire un petit tir sur la gueule. S'il se met à moins de 3 cases. Yes. Bon, c'est pas autant de points de vie que j'aurais voulu. Mais c'est déjà pas mal. Je suis en chemin. Ah, je suis trop loin pour la roquette. Encore. Quand ça va, ils savent pas tirer, mais bon. 64, 69. Est bloqué. Attendez, je vais détruire la mêlée, mais au moins ça devrait aller. Je sais, enfin là je sais pas si tu vois, il y a quelques petits problèmes. Du coup, c'est élimination prioritaire. Alors, 69. Oh la vache. C'est pas visé, hein. 90. Ah, t'as un fusil plasmique, tu lui fais bien mal. Si, c'est pas non plus excellent, mais c'est déjà pas mal. Ils essaient de se replier. Oula. Ah ouais, 10 critiques quand même. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, ça c'est pas cool, parce que ce bouclier... Grosse taille quand même. Ok, donc là, ce qu'il faut. Je m'en charge, commandant. Des troupes ennemies. Quoi? Tu me tues celui-là. J'aurais dû utiliser ma grenade. Cible toujours en vie. C'est trop loin. Je vais vers la position. Là, je suis face à un gros problème. Un 15% en fusil plasmique, c'est pas mal. Et sauf qu'il faudrait que j'élimine le sectoïde. Je bouge.
Allez, réflexe éclair. C'est bon, j'ai rien. Ils sont combien? C'est un truc de fou. Allez, tu me tues. Non! Oh là là, je sais pas quoi faire là du coup. Ah, c'était le truc que je voulais pas avoir à faire. Voilà. Ok, ça va, donc lui éliminé. Lui aussi. Voilà, évidemment, du coup. Ça c'était prévisible aussi. Tu peux l'éliminer? Ok, ça c'est bon. Ça veut dire plus d'armure. Voilà. Allez, tu me tues. Voilà. Ça, c'est bien. Excellent. Vos soldats sont rentrés sans une ingratitude. Alors. Avec davantage de mêlée pour nos recherches. N'oubliez pas. Donc, du coup, sale Golop. Construction possible. Oula. Nous devons aménager une enceinte de stockage sécurisée pour ce dispositif le plus possible. Après les efforts que nous avons fournis pour l'obtenir, il faut tout faire pour le protéger. Alors du coup, il faut que je trouve des trucs à vendre pour atteindre les 200. On va y aller. Hop, un coup d'ordinateur de vol. Par mois. Ouah la vache, c'est quoi cet entretien de malade? Je vais avoir besoin de votre attention, commandant. C'est le conseil, je vous mets en liaison. Oh. Excellent. Ah, ça m'embête parce que du coup, j'ai toujours pas récupéré mon sniper, c'était juste. Bon bah du coup, on va y aller avec ça même si ça m'embête vachement quand même. Bon, on va refaire sans mon sniper. Et c'est genre ce que je voulais pas, quoi. Le vaisseau est arrivé. Bon, c'est pas grave, ça fera des sous, ça va réduire la panique mondiale. Vous allez être déposé en plein cœur du Nigeria pour la mission suivante. Et bon, ça devrait aller. Protéger une cible. Les recherches du docteur Marazuki sont très importantes aux yeux du conseil. Attendez, 3P. On est chargé de le conduire en lieu sûr. Rapace attendra de l'autre côté du complexe pour le réceptionner. Objectif mis à jour. 3 petits PV, l'unité de VIP. Oh les mecs, vous avez craqué. Ils ont complètement craqué. Comment je vais faire pour m'occuper d'un mec avec 3 PV? Celui qui se fasse toucher une fois, il est mort.
va y aller. J'étudiais principalement les trajectoires de vol des extraterrestres, dans l'espoir de déterminer d'où ils viennent. Ouais, et... Strike One, ennemis en approche. Préparez-vous à les accueillir. Ouais, bon. Vous énervez pas, les gens. Vous auriez pas pu rester groupé encore un peu là. 74. Raté. Je règle mon viseur. Allez, sors de là. Il y a même peut-être moyen que ton lance-flamme serve à quelque chose. Yes. Allez, boum. Ça roule. Pour l'instant, on est plutôt bien. Alors, par contre, du coup, on a bloqué le passage, on peut plus avancer. Et c'est très con. Les extraterrestres ont créé un système de propulsion leur permettant de voyager à vitesse supraluminique. Ok. Les voilà. Encore. Ils essaient de me prendre à revers. Raté. Bon, c'est pas très grave. Ah, il y en a un paquet quand même. Bon, c'est que des allumettes, mais... Alors... Est-ce qu'il y a moyen que je chope toutes les allumettes d'un coup? On va essayer comme ça. Je sais pas si je fais les trois, au moins j'en fais deux. Ok, j'en ai au moins fait deux. On va faire celle qui est sur le toit. Bien, commandant. Je portais le plus grasse. Hop, on va faire celle-là. Raté. Bon, c'est pas très grave. Tu le dis. Moi, tout ce que je sais, c'est que t'as pas intérêt à crever. Des extraterrestres se rapprochent de vous, Strike One. Ouvrez l'œil. Ils tournent autour de moi. Allez, tu me tues. Yes. Lol. Et des fois les extraterrestres sont pas vraiment de bonnes idées au niveau des positions. Ah, attendez, je sais qu'il y en a un là-bas. Trouvé. Et éliminé. Ah, on se sent bien dans ce genre de cas. Ça fait une minute. Ah, il était en vigilance. On va essayer de finir la mission quand même.
Allez, boum. C'est vraiment des... vraiment des gros mastocs, mon équipe. Je m'inquiétais un peu de la difficulté de la mission. Bon, en fait, non, ça va clairement. C'est que des allumettes, donc ça va. Bon, après, s'il n'y a pas que des allumettes, ça va être un peu plus compliqué. Mais pour l'instant, ça va très bien. Il va y avoir de l'action, Strike One. Les ennemis se dirigent actuellement vers votre position. Eh ben, je les attends. T'es sérieux, 89% et tu rates? Ah. Alors toi, tu vas faire... voilà. C'est pas très grave. De toute façon, il s'est pas visé. Par contre, nous, on s'est visé, normalement. Du coup, ça va plutôt bien. La grenade, elle va jusqu'où? Il y a peut-être moyen de lui faire bien bobo. Bien, commandant. Allez, boum. C'est assez violent, en fait, comme... comme mission, les allumettes qui se font mais enchaîner, mais littéralement. C'est assez n'importe quoi. Pas d'autres allumettes? Bon, bon, on va y aller alors. On va revenir. J'y vais tout de suite. On va peut-être recharger un petit coup parce que là on vient d'enchaîner plein d'ennemis. Système armé. Sans recharger. J'ai beau avoir deux fois plus de munitions, faut pas non plus abuser. J'y vais tout de suite. Prête pour la baston. Faut garder des unités quand même qui sont en vigilance. Ah, on y est presque. Vous allez avoir de la compagnie, les enfants. Restez sur vos gardes. Ouais, bon, ça va. Merde, l'ennemi respire encore. Non, il respire plus. Allez, bouge-t-on derrière. Ouais, mission en fait assez simple. Que des allumettes. C'était pas franchement d'une difficulté atroce. Voilà. Et le docteur Marazuki. Ça y est. Si toutes nos missions se passent aussi bien que celle-ci, les extraterrestres n'ont... réduction de la panique, deux scientifiques, ouais c'est bien ça. Ça y est, modification génétique. Ouh. C'était quoi ça? Oh la vache. Bon, eh ben on va arrêter là cet épisode, hein. Ça fait un peu plus de 20 minutes. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé, à me suivre sur Twitter, à vous abonner à ma chaîne, à commenter la vidéo, etc. etc. Et puis à la prochaine, salut à tous !